Et voilà, un petit coin de l'Ariège, encore aujourd'hui. Allez, on y va, c'est parti. Alors, la petite ferme qui élève des ânes et qui fait pas mal de petites choses. Le produit cosmétique, je vous montre tout ça. Allez, à tout de suite. Ciao, ciao. Oui, c'est de la corne. Un peu coupé. La crinière, ouais. Finaise. Elles ont eu du bol. C'était pas confiné aujourd'hui, quoi. Salon de coiffure, esthéticienne. On dira pas que vous étiez ouvert. Hein. Oui, en plus. Donc en fait là c'est la manucure. Oui. On taille les ongles. Enfin les ongles et les sabots quoi. À chaque patte. Arrête un peu. Les aplombs, c'est-à-dire que comment elle est la pâte, si elle est bien droite par rapport au sabot, si elle est vraiment reculée en fait. Elle, la pauvre, vous voyez, ça a été négligé, on l'a acheté, c'était comme ça, mais là, la boule ici, l'articulation, elle est derrière le sabot, vous voyez, elle est à ce niveau. Alors que sur les bonnes anesses, en bas, vous verrez, vous l'avez presque au-dessus. Où elle va avoir quelques problèmes d'articulation. Comme ça. Non, occitane,
Ça c'est occitan. Parce qu'après elle a plus de 20 ans, c'est l'arthrose. Mais elle se fait quand même belle, hein. Elle s'est fait coiffer, on va se terminer. La pointure des pieds, c'est plus soutenu. Qu'est-ce se pose? Salut mon poteau. On est presque frères tous les deux, tu sais. Eh oui. Je m'appelle Baudet. Eh oui, comme toi. Eh oui, mon frangin. Salut mon poteau. Salut toi.